Salut à toutes et à tous amis gamers, mon nom est Choi et bienvenue au Choi's Gaming Show. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 12 de notre Let's Play Tomb Raider. Et dans le dernier épisode on avait réussi à avoir une nouvelle capacité avec notre arc qui nous permet d'envoyer des cordes. Et mon petit doigt me dit que dans la zone que nous allons explorer bientôt, ça va nous servir. Zone qui va nous servir d'ailleurs à aller atteindre ce petit parachutiste qui est là-bas et qui, pour bien se faire voir, a mis un bon gros fumigène, comme ça tout le monde va pouvoir venir le voir, ça va être cool. Bref, il faut qu'on fasse notre chemin, j'espère qu'on rencontrera pas trop d'ennemis. Oh ! Bah apparemment, ah non, il est là, Roth. Je me disais, il s'est barré, il m'a laissé tranquille comme ça. On pourrait camper, mais j'y vois pas grand intérêt. Ah si, on a récupéré pas mal de matériaux et on n'avait pas fait d'upgrade la dernière fois, on s'était un petit peu sauvegardé, on va dire. Maintenant, je pense qu'on devrait pouvoir quand même un petit peu améliorer certaines choses, notamment bah, le chargeur. Ça, c'est la vitesse de rechargement qui a augmenté. Ouais. Ça par contre c'est plutôt pas mal. Amélioration de la cadence de tir. Et ça surtout, 15 balles supplémentaires. Ok. Et puis bah ça on peut pas encore. Donc voilà, au moins on a nos 15 balles. C'est cool. Ça nous permet d'avoir Voilà. Ah c'est 4. 4, ça nous permet d'avoir je sais pas combien de balles dans le chargeur, mais plus qu'avant, ça c'est sûr. On va récupérer ça. Et qu'est-ce qu'on a de beau? Juste ici, dans cette cave. Ah, bah c'est de là d'où on arrivait, donc on a rien de beau, en fait. On a un passage non franchissable, et en route. En route pour l'aventure. Hop là. Allez, accroche-moi ça, Lara. Poum. Parfait. Oui. Wow. Trois méchants. Un ici. Un qui s'en va. Et un là. Toi d'abord. Quoi? J'ai besoin de renfort! Non! Où est-ce qu'il va? Bon. Il semblerait qu'il se soit échappé. Ouh, un lapin! Lapin, lapin! Lapin, lapin! Y'a quelqu'un? Ross? Je suis là, Reyes. Quelle est la situation? Lapin, 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 lapin! Lapin, lapin! Ah! Tu vas où là? Arrête de sauter comme ça! Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des nouvelles de Sam ou de Whitman? Rien pour le moment. Tu es avec Lara? Lapin. Oui, on ne va pas tarder à venir vous rejoindre. D'accord, on va essayer de s'approcher un peu. Reste lapin sur ce canal. Où est-ce qu'ils sont ces lapins? Bim! Allez, donne-moi un petit peu d'expérience, petit lapin. Où est-ce qu'il est l'autre? Je le vois pas. Je ne le vois pas même avec mon instinct de survie. Lapin. Petit lapin. Ouh, qu'est-ce que c'est ça là-bas? Qu'est-ce donc que ceci qui brille? C'est un corps. Ceci est quelqu'un décédé. Très bien, on va ramasser un petit peu tout ce qu'on a ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau dans cette petite cabane? Ouh, un petit objet. Tintintintintin. Qu'est-ce que c'est cette fois-ci? C'est courant dans la médecine japonaise par les plantes, appelée kampo. Cette fiole a l'air très ancienne. Et les plantes à l'intérieur très pourries. Ah ah, il y a un indice sur ce truc. Ce sont probablement des champignons maïtake, des champignons des fous dansants. Ils sont utilisés pour renforcer le système immunitaire.
À mon avis, pas que pour renforcer le système immunitaire. Si les trucs s'appellent le champignon des fous d'encens, ils sont utilisés pour autre chose, si vous voyez ce que je veux dire. Du loot. Deux sur deux pièces d'un arc. Aha! Il y a une nouvelle modification pour notre arc. Voilà qui est très intéressant. Voilà qui est très 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 fort, muy bien. J'ai pas l'impression qu'on puisse monter là-haut. Moi, je voulais voir aussi de ce côté-ci s'il n'y avait rien à ramasser, un endroit où grimper, quoi que ce soit d'intéressant. Non. Bon. Et ben, je pense qu'on va continuer et essayer de voir où s'est barré l'autre con qu'on a laissé s'échapper. Où est-ce qu'il est? Ouh, un truc à mettre feu. Allez, hop là. 3 sur 10 statues. À mon avis, j'en ai loupé pas mal, mais bon. On verra ce que ça donne. Je suis pas très très bon pour faire des défis. Quoique, j'en vois déjà une là, un peu dans le fond. Allez, Lara. Ouh! Ça, c'est bien visé. J'ai visé un pec. Alors, il y avait un mec. Il y a un lapin. Est-ce qu'il est parti? Raté. Oh, il s'est arrêté dans le mur. Il y a plein de lapins ici, en fait. Il y a full lapin. Tiens, voilà. En fait, mieux vaut les chasser à la main, ces lapins, parce que à l'arc, c'est pas non plus très pratique. Où est-ce qu'ils sont? Ah bah, ils sont tous partis. Ils sont tous partis. On peut l'allumer, ça? Je vois pas bien à quoi ça sert, mais on peut. Alors, on pourrait aller par là-bas, ou on pourrait continuer. Notre chemin. Viens là, lapin. Tiens. Pourquoi mon instinct de survie ne les voit pas? Ah bah si. Viens là, viens là. Ah. Lapin, viens. Bon sang. Ouh, mais il se fout de ma gueule, lui. Ouh. Une géocache. C'est quoi ce lapin invincible, là? Ah, bah voilà. Non, mais... C'est Pâques, alors je veux mes lapins. Ok. Donc, je disais, on peut soit aller de l'autre côté, soit continuer notre chemin vers là-haut. D'ailleurs, je me demande bien où est-ce qu'il est parti, le mec qui était par là. On va aller fouiller l'avion un petit peu, on va aller voir ce qu'il y a par là-bas. Ça me paraît pas mal. Yop là! Wow! Ce qu'il y a, c'est que ça explose. Ça explose pas mal. On a des munitions. D'ailleurs, en parlant de munitions, je vais recharger, non? Ça, y a pas besoin de recharger non plus. Ça, c'est parfait. Ouh, là, il y a des petites flèches que je vais m'empresser de ramasser parce que j'en ai plus beaucoup, beaucoup non plus. Et on va continuer la chasse au lapin. Viens là, lapin. Lapin, 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 lapin. Wow. Wow. Oh, comment ils vont trop vite? Il s'est téléporté tout là-bas, quoi, le lapin. Bim! Oh! Il m'a esquivé. Bon. Je pense qu'on va arrêter de chasser le lapin parce que ils ont l'air d'être plutôt en train de se foutre de ma gueule qu'autre chose. Wow! Lui, par contre, je m'en vais te le chasser assez efficacement. Tu veux pas me charger? Charge-moi. Tiens, meurs surtout.
Mon premier sanglier. Ah, comme c'est émouvant. J'ai tué mon premier sanglier. Une sur trois pièces d'un fusil. Ouhou. Tiens, il y a une flèche là-bas. S'il y a une flèche... Père Mathias nous rendra libres. Ayez peur des démons. Mais bien sûr, monsieur, mais bien sûr. Un marine américain. Est-ce que cette île a été occupée ou était-ce des éclaireurs? Ouh. En tout cas, je mettrai pas mon whisky là-dedans, vu est-ce la gueule du truc. Est-ce que représentait des amis perdus ou des ennemis tués? Dans les deux cas, c'est trop pour un seul homme. Ça pourrait être complètement autre chose, genre des jours passés à s'emmerder sur cette île. À tout hasard. Je dis ça, je dis rien, mais... C'est une possibilité, peut-être, que l'on peut envisager, je pense. Hein? Vu l'île et tout... Bon, il semblerait qu'on ait pas mal fouillé tout ce qu'il y a là-dedans. Est-ce qu'on peut pas grimper? Je vois pas trop ce qu'il y aurait là-haut. Allons voir un petit peu plus près de l'avion par ce côté-là. Ah voilà, on doit pouvoir grimper par là. Est-ce qu'il y aurait pas quelque chose sur l'avion? Hop là! Tintintin. Je suis le maître du monde. Ouh, mais si en fait. Il y a carrément des trucs à aller chercher par là-bas. Yaha. Hop là. Bon, ça sert à rien. Je m'y attendais. Par contre, là-haut, hop, on doit pouvoir grimper et choper des petits trucs. Genre ça, mettre le feu à ça. Mettre le feu à ça. Et mettre un coup dedans, non? Je sais pas. Qui ne sert pas à grand chose. Continuons notre exploration de ce petit recoin. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? Ouh, encore des matériaux. Ce qui nous donne 2 sur 3 pièces d'un fusil. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Encore quelques petites caisses de matériaux. Une géocache. Et de ce côté-là. Y a rien dans les vases? Tu veux pas casser les vases? Non. Casser les caisses? Non. Bon. On a un petit tremplin là. Est-ce qu'on pourrait pas aller par là-bas avec ça? Ouch. Presque. Et sur ce toit là. Ouh, un nid. Ouais. J'ai eu des œufs, ce qui nous débloque un nouveau défi. Cool. Très très cool. Il me semble qu'on a plus ou moins exploré le coin. Ah non, faut qu'on aille en bas aussi. Allons voir ce qui se passe par en bas. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? Je veux cette boîte. Un petit peu d'expérience. Explorons les vestiges de cet avion. Encore une boîte. Et là, qu'est-ce qu'on a de beau encore? Encore un truc à ouvrir. Allez, allez. Hop là! Un peu de matériaux. Mais c'est la... C'est la caverne d'Ali Baba, ce coin-là, en fait. Allez. On met le feu à ça. Très bien. Ça l'a fait ou pas? Ouais.
J'ai pas vu la notification de défi, mais bon. Ça a dû être bon. Hop là. Comment se déplacer avec classe alors que c'est complètement inutile. Hop. Encore des matériaux. Ouh, là-haut. Je vais aller là-haut. Nice. Ce qui nous permettrait de monter là-bas. Ok. C'est un vrai labyrinthe, ce coin. Ça, je peux pas le ramasser. Non. Et si je vais là-bas... Ya. Yes. Si tu pourrais peut-être aller ici. Et de là, aller de l'autre côté. Et si je monte ici... Non, on peut pas. D'accord, d'accord. Et de ce toit-là, qu'est-ce que je peux faire? Pas grand-chose. J'ai l'impression qu'il y a mille moyens d'aller plus ou moins un peu partout ici. C'est un véritable labyrinthe. Allons voir déjà au-dessus de l'avion. Y a pas un nid qui traîne ici? Ah ah ah. Ah bah non, c'est une branche. C'est une branche, pas un nid. Et par ici, qu'est-ce qu'on a de beau? Le nez de l'avion qui s'est craché, d'accord. Ouh, là-bas des munitions, mais ça je crois que je suis plein. Trop d'endroits où aller. On peut aller de l'autre côté. Il me semblait avoir vu un feu de camp. Feu de camp fait dans les vestiges. Les vestiges d'un avion craché, c'est pas trop la classe non plus. Alisha est ta fille. Tu l'as peut-être toujours su, mais depuis que j'ai embarqué sur l'Endurance, je me dis que tu as le droit de savoir. Tu dois comprendre que je n'ai jamais cherché à t'évincer. Mais je te connais, Ross. Je sais comment tu vis et ce à quoi tu aspires. T'installer quelque part pour élever un enfant ne fait pas partie de tes projets. Je ne sais pas si j'ai bien fait. J'aurais peut-être dû te laisser le choix. Mais je l'ai fait pour toi. J'ai pensé que c'était mieux comme ça. Après l'expédition, j'aimerais que nous parlions de l'avenir. Prends le temps d'y réfléchir, d'accord? Oh, il y en avait sur le bateau qui était comme ça, comme ça. Bref. Ouh, arc recourbé. Échange d'armes, arc long improvisé contre arc recourbé. Tada! Ça c'est cool ça. Alors est-ce qu'on a des nouvelles améliorations? Oui, on a des nouvelles améliorations. On peut avoir... Wow. Blablabla. Voilà, ici, on peut avoir une gâchette porte-clés. Améliorer la cadence de tir. Ah oui, c'est une petite gâchette que l'on voit là. Eh ben allons-y. Hop là. Adjugé vendu. Gâchette porte-clés. Et on est reparti, on perd pas de temps, hein. Allez, 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 on fait du bricolage et on repart. Bon. J'ai pas la moindre idée d'où je suis, là. Je dois vous avouer que je suis plus ou moins perdu dans ce coin-là. Alors, on va aller là. On pourrait aller de l'autre côté. Je vois pas bien à quoi ça va nous servir. Ce truc-là... bon allez, on va aller voir un peu ce qu'il y a par là. Hop là. Eh mais il n'y a pas de coin où accrocher. Ah ah. Ah ah. Le saut me semble une mauvaise idée. Donc on va peut-être éviter. Par contre, oh, qu'est-ce que c'est que ça là-bas? Ça s'active, on peut faire quelque chose avec ou... Qu'est-ce que c'est? Ah, ce sont des roues en fait. Voici les roues de l'avion. Super Chewie. T'es un gros malin toi. Bon. Il semblerait qu'on ait terminé cette zone, plus ou moins. Il y a encore un endroit où on peut aller là-haut. On peut continuer aussi. De ce côté-là, donc c'est ce qu'on va s'empresser de faire, voilà, hop là. Oui, you, un petit peu de balançoire. Et hop là. Ah non, il y avait cette porte d'abord.
Qu'y a-t-il derrière cette porte? Allez, Lara! Nice. Quelques matériaux. Un petit secret. Ouh, un nouveau point de compétence. C'est de la bardane. Une racine traditionnellement utilisée dans le campo pour soigner les inflammations. Ah. Ok. Eh, on a trouvé tous les trucs. Toutes les reliques de campo. C'est cool, ça. Et là, des munitions, mais on est plein. Bien entendu, bien entendu. Donc, nous disions qu'il faut... Voilà, grimper maintenant. Hop là, voilà. Et puis, bon, on devrait pouvoir s'accrocher ici avec un peu de chance. Voilà. Perfecto. Ah! Bah pourquoi c'est pas accroché? Oh. Pourrait faire un petit effort quand même. Pour s'accrocher mieux que ça. On va pas aller loin si elle fait aussi peu d'efforts, la mère Lara, là. Des flèches. Des flèches qu'on a en quantité infinie partout dans ce jeu. Un petit balcon. Non. Faut pas taper les choses. Reste calme, Lara. Faut pas taper les choses, il suffit de leur mettre le feu. Voyons. Oh. Après, tu peux les taper. Pour trouver des choses à l'intérieur. Ok, là, on a une petite tyrolienne pour aller de ce côté-là. Je vois pas trop à quoi ça pourrait nous servir, mais... C'est là. Et... Alors, qu'est-ce qu'on a de ce côté-ci du bâtiment? Cette zone est carrément grande, hein. Bien plus grande que ce à quoi on a l'habitude. Là, c'est plein. Va pas tomber. Ici, on a déjà tout ramassé. De ce côté-là, y'a rien. C'est parti pour une petite session de tyrolienne jusque l'autre côté. Cool. Et là, eh ben, y'a rien. Pas l'impression qu'il y ait grand-chose de ce côté-ci. Là, ça nous sert à Ragdal. On va quand même aller fouiller en bas un petit peu ce qu'il y a. Puis surtout, on va aller fouiller. Hop! Lara. Lara, tu fais n'importe quoi, là. Tu sautes et tu grimpes. Merci. Ils sont sérieux, là, il y a que dalle, ici? Oh. D'accord, donc de là-bas, on a deux endroits auxquels on peut remonter. Un ici et un de l'autre côté, ok. Je vois le genre, très bien. Ici, y a rien. Et par là, ça nous permet de grimper le long de l'avion jusqu'ici. Ce qui, ma foi, n'a pas l'air de servir à grand chose. Mouais. Bon, y a pas grand intérêt à aller là-dedans, hein, à part foutre le feu ici, regrimper un peu par là. Ouh, là-bas, non, y a de la grimpette à faire là-bas. Y a de la grimpette. Alors. Première étape. Par ici. Deuxième étape. Par... pas par là-bas. Par là-bas. Non. Ah. Alors. Première étape. Refaisons ça. Hop. Grimpounette. Yaha! Hop là!
Ok. Oh. Ici, il y a un petit tombeau. Ici, on peut retourner de l'autre côté. Il y a 1000 passages pour aller d'un endroit à un autre, en fait. Et moi, je vais aller à la maison qui est en face, là-bas. Ya. Youhou. Hop là. Pourquoi elle veut pas s'accrocher? Non. On peut pas tirer dessus. Non. Voilà qui est très étrange, elle ne peut point s'accrocher. La miss. D'accord, d'accord, je vois. Bon. Je pense que je vais terminer cet épisode là-dessus. Descends. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Encore un énième passage de l'autre côté? Et non. Il y a bon, pas vraiment un secret, mais il y a un peu des choses. Ça, c'est vraiment pas des secrets, ces petites statuettes. On croirait, hein. Ok. Hop, hop. Voilà. Je disais donc que j'allais terminer l'épisode là-dessus. On va garder le tombeau pour la prochaine fois. J'espère que cet épisode d'exploration effrénée vous a plu. Qui vous a pas trop embêté. Et puis bah, la prochaine fois, on essaiera d'avancer un petit peu plus loin. Ou alors, est-ce qu'on serait pas déjà passé par ici, en fait? Je suis en train de me poser la question. C'est pas le tombeau qu'on a déjà fait, ça? Regardons un petit peu la carte. Qu'est-ce que ceci? Il se peut qu'on ait déjà été par ici, en fait. Que je sois en train de réexplorer des zones déjà explorées. Allons jeter un petit coup d'œil rapidement. Qu'est-ce qu'on a de beau par ici? La grande salle noire. Les stalagmites. Un petit air de familier. Yep. On vient de passer une demi-heure à explorer une zone. Déjà quasiment explorée dans son intégralité. Bien. Bien. Bien, pas mal, pas mal. Balèze le mec. Très balèze. Bon, effectivement, c'est bien exploré. Je vais arrêter cet épisode ici, je vais retourner là où on en était avant, et puis on reprendra de là-bas, je vais faire ça en dehors de la caméra. J'espère que cet épisode vous a plu, même s'il ne s'est pas passé grand-chose, et puis bah, je vous verrai bientôt sur le Chowiz Gaming Show. Merci d'avoir regardé, ciao.